Yo mes salutations, j'espère que vous avez la forme, car la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo avec laquelle je vais rendre hommage à un artiste qui, en plus d'avoir écrit un manga légendaire, fut le créateur d'un jeu tout aussi culte. Ce jeu et ce manga ont pour nom... Un manga ayant bercé mon enfance, et pour tout vous dire, c'est même l'un des tout premiers mangas que j'ai eu dans ma bibliothèque étant môme. Peut-être même le premier d'ailleurs, hein. Je sais plus si je l'ai lu avant ou après Détective Conan. Œuvre tellement culte qu'elle marqua la naissance d'un nouveau jeu et d'une nouvelle mode dans les cours de récréation au début des années 2000. Les cartes Yu-Gi-Oh! Qui même 20 ans après continuent à rassembler toujours plus d'adeptes. Je me revois gamin à chanter le générique du dessin animé. On n'a pas vraiment le temps. Ouais c'est vrai ça, du coup commençons la vidéo sans plus tarder hein. C'est l'heure du... Ben c'est l'heure du début de la vidéo quoi. Mais avant ça, petite intro des familles. Manga écrit et dessiné par Kazuki Takahashi, à présent décédé. Et je vous cache pas que ça m'a fait quelque chose quand je l'ai appris. Né le 4 octobre 1961 et décédé le 6 juillet 2022, en plus de Yu-Gi-Oh!, il fut le créateur de plusieurs autres œuvres, telles que The Comic, racontant la vie d'un lycéen rêvant de devenir mangaka, et il a également écrit la série de comics Secret Rivers, mettant en scène deux grosses vedettes des studios Marvel. Et c'est en 1996 qu'il commença à écrire l'aventure du jeune Yugi Muto. Notre histoire commence dans le lycée de Domino où étudie Yugi, et où il emmène son putain de jeu Pic Pirate. Ah, il doit pas avoir beaucoup d'amis le petit Yugi. Tout à fait, il n'a pas beaucoup d'amis si ce n'est son ami d'enfance, Masaki Hanzu. Ben du coup, le Yugi s'occupe comme il peut, hein. Et vas-y que j'emmène mes jeux de société à l'école, et vas-y que j'emmène mon trésor secret qui s'avère être un puzzle millénaire qui me transforme en pharaon ultra badass, et vas-y que je me fais harceler par les deux petits racailles du lycée. Oui, sauf que les deux petites racailles vont tomber sur une plus grosse racaille. Ça va faire mal. Une Kaira, deux Kaira, qui font leur promenade. Homer, c'est des dinosaures. Homer, c'est des putains de dinosaures. Oui, en fait, vu que Yugi a pris la défense des deux autres, lui aussi, il a pris tarif. Suite à ce drame, le jeune Yugi décide de rentrer chez lui et d'assembler son puzzle millénaire. Sauf que ça fait 8 ans qu'il essaie de l'assembler, son puzzle. Mais bon, bah, du jour au lendemain, on va dire qu'il a décidé de réussir. Et il se trouve que le dit puzzle renferme l'âme d'un pharaon dont je ne spoilerai pas le nom. Pharaon qui, bien content d'être tombé sur un gamin aussi intelligent, décide de fusionner avec son âme. Pharaon qui, bien vénère de s'être fait tabasser avec ses potes Jonouchi et Honda. Ah oui, parce que maintenant ils sont potes, hein. Haha, non mais tu plaisantes, mec. Ben non, je déconne pas, hein. Faut dire qu'il est un peu chelou le protagoniste, quand même. Il décide alors d'aller lancer un défi à The Kaira 93. Ouais, The Kaira 93, en fait, c'est pas mal comme nom, hein. Les deux adversaires s'affrontent alors dans un jeu quelque peu périlleux, consistant à piquer des billets posés sur leurs mains à l'aide d'un couteau. Bah quoi, vous croyez qu'il allait le défier aux cartes? Eh ben non, parce que Yu-Gi-Oh! En japonais, ça veut dire roi des jeux. Et donc, comme son nom l'indique, ce manga a pour thème les jeux en général. Comme par exemple les jeux de dés, les jeux de plateau avec des monstres, ou bien une bonne vieille partie de hockey sur une plaque brûlante avec une fiole de produits inflammables. Et ces jeux périlleux, appelés jeux des ténèbres, ont pour point commun que le gagnant soumet le perdant au jeu de la sanction. Et en gros, soit le perdant meurt, soit dans le meilleur des cas, il devient complètement zinzin. Bien sûr, si tout cela ne vous dit rien, c'est peut-être parce que vous ne connaissez que le dessin animé Yu-Gi-Oh! Et pour l'anime, nous autres français, on s'est quand même bien fait carotte! Cette blague est dégueulasse, n'est-ce pas? Oui, parce que l'anime tel qu'on le connaît commence au duel entre Yugi et Kaiba au sommet de la Kaiba Tower. Ouais, c'est super, sauf que ça se passe dans le tome 5, les gars. Et en plus, ça, c'est le match retour qu'on voit. Parce qu'un duel avait déjà eu lieu dans le tome 2, où cet enfoiré de Kaiba a triché en sortant une carte de sa poche. Oui, donc en gros, l'anime nous a fait sauter les 4 premiers tomes, rien que ça. Et en plus, on nous a sucré l'arc final se tenant entre le tome 33 et 38. Bon bah en gros, si vous connaissez que l'anime, vous ne connaissez ni le début, ni la fin de Yu-Gi-Oh! C'est génial! Bon alors, heureusement quand même qu'il y a eu au Japon Yu-Gi-Oh! Saison 0, retraçant le début des aventures de Yugi, vous permettant alors de mieux comprendre l'histoire. Ah bah voilà qui est mieux quand même! De par son succès monumental, Yu-Gi-Oh! A eu le droit à de nombreuses suites, comme par exemple Yu-Gi-Oh! GX que j'ai adoré étant gamin,
Ou encore Yu-Gi-Oh! 5Ds, où les duellistes jouent sur des putains de motos. Yu-Gi-Oh! C'est aussi un jeu de cartes ultra populaire s'étant largement répandu à travers le monde. Et je vais vous avouer un truc, je suis un grand gamin. Car même à 26 ans passés, je joue encore aux cartes Yu-Gi-Oh! Avec des potes. D'ailleurs, si les potes regardent la vidéo, hein, coucou les gars. Dans les produits dérivés, on compte aussi de nombreux jeux vidéo, d'ailleurs fort probable que j'en parle dans un prochain épisode d'Archéologame. Vous l'aurez donc compris, Yu-Gi-Oh! C'est bien plus qu'une simple série de mangas. C'est une licence légendaire jouissant d'un univers ultra riche, et ce sur tous les plans. Jeux vidéo, littérature, ou encore jeux de société. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le bon vieux pouce bleu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, chers amis, prenez soin de vous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.